Salut à tous les cafardinos, on charbonne fort. Cette vidéo va être très 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 intéressante. Donc j'espère que je vais avoir très 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 beaucoup 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 énormément énormément de likes. Merci beaucoup les amis. Abonnez-vous, bientôt les 70 000 abonnés. Je compte sur vous pour donner la force de ouf sur les réseaux sociaux. Dans la description de toutes mes vidéos, vous avez Instagram, Twitter, Twitch, mon site internet malexsgo.fr où je conseille, je rassemble toutes les informations sur le meilleur matos nécessaire à acheter. Tout est dans la description. N'hésitez pas à aller check. Je réponds à tout le monde aussi en DM. Donc si vous avez des questions, des suggestions de tutos, des meufs, vous voulez me donner des numéros et tout, envoyez, envoyez, on est là les potes. Ok, cette vidéo est exceptionnelle. On a découvert une nouvelle commande qui simplifie de ouf les textures et qui nous rappelle un petit peu Counter-Strike Source ou Counter-Strike 1.6 avec beaucoup moins de textures, beaucoup moins d'effets, beaucoup moins de détails. Et ça ça lisse les textures, on voit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net. Et pour cela, on doit créditer Monsieur Idex. Donc on va aller sur Twitter, je vous montre son Twitter parce que c'est lui qui a découvert ça. Et je fais cette vidéo avec son accord, bien évidemment. Donc c'est Idex. Je vais faire, c'est cette commande qu'il faut mettre dans les options de lancement. Je vais lancer mon jeu sans les options de lancement. Enfin, sans la commande dans les options de lancement, dans un premier temps. Et ensuite, je vais superposer les images et vous allez voir les différences. Et je vais commenter pour vous dire, enfin, c'est vraiment fabuleux. Par contre, ça peut vous plomber les repères de smoke, de molotov, de grenade. Voilà, ça peut vous abîmer ça. Il faut savoir que cette commande a un effet que sur les maps texturées comme D2, Inferno, potentiellement un tout petit peu Mirage, mais la nouvelle cache peut-être qui va sortir aussi si elle a les mêmes textures, un semblant de même texture, mais ça ne fonctionnera pas, enfin ça ne fonctionnera pas, elle n'aura pas d'effet sur Overpass, Train, Nug, Vertigo, c'est des maps qui ont des textures voilà, différentes. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, on est là, regardez bien la corniche, etc, 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 d'accord. Donc là on se balade tranquillement. On voit un peu les textures, là on nous clip, hop, on voit un peu les textures de la corne, etc. Donc là par exemple, si vous voulez prendre ce repère de smoke, on va tester ça tout de suite. Moi je prends ce repère là, cette smoke là, là ce truc moche. Donc là maintenant je vais relancer le jeu avec la commande pour voir la nouvelle texture et on va voir ce que ça donne. Alors, on est là, hop, propriété, définir les options de lancement, on va tout à droite. Vous en avez d'autres, un espace et on colle, plus mat, ok, on relance le jeu. Donc là, on voit tout de suite la qualité des murs, voilà. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair, voilà. C'est beaucoup, 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 regardez, tout est lisse, ça veut dire que si on a potentiellement la ligne comme ça, là-bas, vous voyez, le mec, s'il décale directement sur la droite, tu sens qu'il va prendre 2 balles. Tu vois, tu sens. Là, pareil, regardez, tout est lisse, si on regarde la corniche, si t'as la ligne, si t'as la ligne à la WAP et tout, regardez, c'est clean, quoi, c'est propre, tout est clair et tout, c'est magnifique. Donc là, par exemple, vu que tout est plus lisse, ouais, voilà, tu vois, là, j'ai plus mon repère. J'ai plus mon repère de ce moment. Donc là, par exemple, c'était ça, non? Ah, c'était ça, mais bon, voilà, on connaît par cœur, quoi. On va pas se mentir, on n'a plus trop les repères de smoke et tout. Donc voilà, il y a un désavantage, c'est pour les repères de smoke, tout ça. Mais regardez comment c'est lisse, comment c'est net, genre c'est propre. J'aimerais que le jeu soit comme ça de manière générale, tu vois. J'aimerais vraiment que ce soit comme ça, très honnêtement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Je sais pas, mets des likes pour peut-être potentiellement avoir des textures comme ça partout. Mais en tout cas là c'est clean, c'est fabuleux frère. On est là, on a un orgasme. Frère, regarde, imagine tu joues des duels dans le pit et tout. Comment c'est clean, comment c'est propre. Oh, c'est un délire, hein. Regarde. Tout est propre, hein. Tout est bien lisse et tout. Moi je préfère comme ça, même si bon, les repères de smoke, peut-être qu'on trouvera des repères différents. Donc voilà, tout est dans la description. Venez me follow sur Instagram. Venez me follow sur Twitter. Passez sur Twitch si vous voulez. Cbet.gg pour ceux qui veulent parier sur l'e-sport, prenez mon code parrain, mon lien d'affiliation et mon code parrain, c'est MalexSGO tout attaché. S'il y en a qui parient, voilà, en gros, quand vous allez parier, ben, je vais toucher des commissions. Merci beaucoup. Enfin, c'est disponible pour les francophones, France, Belge, tout le bordel, alors que c'était pas dispo avant.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à une prochaine vidéo.